Madame, mademoiselle, messieurs, bonjour, bienvenue sur KTO Magazine. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à une personnalité très marquante du monde de l'Église, Marie-Eugénie Milleret. Cette fondatrice des religieuses de l'Assomption a été canonisée à Rome par Benoît XVI le 3 juin dernier. Dans cette émission, nous essaierons de mesurer son parcours tant personnel que spirituel. Nous essaierons de voir le rayonnement de sa congrégation aujourd'hui à travers le monde. Et puis nous aurons une interview assez exceptionnelle de la jeune Philippine miraculée, dont le miracle donc aura permis en tout cas cette canonisation. Tout de suite, ce reportage de 52 minutes, il est l'œuvre de François Lespèce, de Guillaume Roubert et d'Emmanuel Morlin. Santa Maria Mater Dei, Sancte Michael, Sancti Angeli Dei, Sancte Ioannes Baptista, Sancte Iosef, Omnes Sancti Patriarche et Prophete. Ma sœur, quelles sont vos impressions après cette canonisation ? Eh bien, cette canonisation s'est passée d'une façon inattendue, sous des torrents de pluie. Alors nous avons essayé d'interpréter. Sur le moment, c'était une déception un petit peu, parce qu'on rêvait de couleurs, de lumière, de chaleur, d'enthousiasme, alors qu'on cherchait seulement à se protéger de la pluie. Je crois que la prière et la compréhension profonde est venue après. C'est-à-dire que nous pensons qu'il y a un signe dans cette pluie. Et Mère Marie-Eugénie disait qu'elle voulait qu'à l'Assomption, on forme des caractères trempés et qu'on soit nous-mêmes des caractères trempés. Alors nous avons plaisanté là-dessus en disant que nous étions trempés, détrempés et retrempés. Et ça, je crois que c'est important. Retrempés par des flots d'eau jaillissante, comme un nouveau baptême. Et moi, je crois que je l'ai expérimenté un petit peu de cette manière. Et quand nous avons partagé les unes et les autres, c'est un peu ça qui reste. L'eau qui féconde la terre, l'eau qui ruisselle, l'eau qu'on désire souvent, l'eau qui était un peu gênante à ce moment-là, mais l'eau qui va, oui, retremper nos terres, nos vies. L'impression d'un baptême, c'est une nouvelle étape pour la congrégation et pour chacune de nous, je crois. Un petit mot sur le pape, vous avez eu l'occasion de le voir à travers vos parapluies. Oui, le pape, nous l'avons entrevu à travers les parapluies de ceux qui étaient devant nous, à travers la pluie aussi. Nous l'avons mieux vu ensuite sur des images de la télévision. Mais cette présence, la présence du pape, et puis d'apercevoir aussi, d'entrevoir l'icône de Mère Marie-Eugénie au fronton de Saint-Pierre, c'était vraiment la présence au cœur de l'Église comme elle le souhaitait. Je crois que c'est une très grande grâce. Sous la pluie ou sous le soleil, c'est exactement la même chose. C'est au cœur de l'Église. Sancti Petre et Paule, Omnes Sancti Apostoli et Evangeliste, Omnes Sancti Discipuli Domini. Le rôle essentiel du postulateur, c'est de faire avancer une cause de canonisation, c'est-à-dire de permettre, dans le respect des procédures fixées par l'Église, d'arriver jusqu'à la reconnaissance de la sainteté d'une personne. Ça veut dire qu'il y a d'abord un temps pour la béatification où il faut analyser la vie de la personne, ses écrits, et puis où il faut aussi un miracle pour la béatification, et puis ensuite pour la canonisation, il suffit d'avoir un deuxième miracle. Voilà le rôle du postulateur, c'est celui qui promeut la cause. Donc on peut dire que c'est tout un travail d'enquête. Alors il y a effectivement un gros travail d'enquête. Donc si je reprends par exemple pour la canonisation de Marie-Eugénie, puisque la béatification avait été faite en 1975, donc il ne manquait plus qu'un miracle pour la canonisation. Et il a fallu, par l'intercession de Marie-Eugénie, trouver une guérison qui était faite par elle. Donc il y avait eu plusieurs possibilités. Et puis parmi les miracles les plus sûrs, eh bien, j'ai retenu celui de Rissa Bondoc. Alors là, la procédure est relativement longue, puisque finalement j'ai commencé l'enquête en 2001-2002. Donc une jeune fille qui était gravement malade aux Philippines. Et ce qui a compliqué l'affaire, c'est d'une part qu'elle avait été soignée aux États-Unis. Donc il a fallu que je fasse faire une enquête à la fois aux Philippines et aux États-Unis. Hein, et que le dossier étant tout en anglais, il a fallu ensuite, pour la congrégation pour les causes des saints, que je la traduise en italien.
on est sûr vraiment qu'il y a eu cette guérison. Comment l'Église se situe par rapport à ça? Alors le premier travail, donc, c'est de faire une enquête auprès des proches, d'abord pour bien reconnaître que la personne ou la famille a prié la nouvelle sainte. Et puis ensuite, donc, il y a tout le travail médical. Et donc j'ai demandé de faire une enquête aux Philippines par les médecins qui soignaient Risa Bondoc, et puis les médecins américains qui l'avaient soignée aussi. Et la médecine ne dit pas qu'il y a miracle. La médecine dit simplement qu'il y a des choses qui sont inexpliquées et inexplicables par la médecine. Alors ensuite, comme on avait là affaire à un cas assez rare, disons, de maladie, eh bien, j'ai demandé à un grand professeur de médecine et de chirurgie français, qui s'appelle le professeur Claude Lapra, qui est mort il y a 2 mois. Donc il aurait dû être là à la canonisation, mais il est mort il y a 2 mois, de faire une enquête, une deuxième enquête, reprenant tout le dossier. Et il m'a fait une enquête absolument extraordinaire, ne trouvant aucun cas de personne vivante ayant cette maladie et ne trouvant aucun cas de personne ayant vécu plus d'un an avec cette maladie. Donc, c'est une maladie de naissance, c'est une maladie congénitale. Dans ce qu'on appelle, en termes techniques, c'est un demorcier plus. Alors, demorcier plus, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est une personne où il manque un lien entre les deux ventricules cérébraux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de communication au niveau cérébral. Et puis, en général, il manque une partie du cerveau. Là, pour Risa Bondoc, il manque la partie pariétale du cerveau. Et on voit très bien sur les images de la résonance magnétique que cette partie manque, qu'il y a un trou noir. Et donc, elle n'aurait pas dû vivre. Et quand ses parents se sont aperçus de cette maladie, qui se note notamment par ce qu'on appelle en termes techniques un nystagmus au niveau des yeux, c'est-à-dire des mouvements permanents des yeux, eh bien, elle a, découvrant la maladie, elle a porté l'enfant sur la tombe de Marie-Eugénie Milleret à Paris, à Auteuil, puisque elle-même, la mère, avait été l'élève des Sœurs de l'Assomption à Manille. Quelle est l'étape qui fait qu'on reconnaît cette guérison comme un miracle? Alors ensuite, donc, une fois que la partie diocésaine a été finie, donc je suis allé clore le procès Manille, vérifier que tous les documents étaient présents, qu'il ne manquait rien, il y avait 2-3 petites erreurs donc, que j'ai fait corriger. Et puis j'ai scellé avec mon sceau les dossiers, laissant les originaux dans la curie diocésaine de Manille et apportant 2 copies ici, une qui restera toujours scellée pour la congrégation pour les causes des saints et une qui a été ouverte, vérifiée, il n'y avait aucune erreur. Et donc à partir de ce moment-là, il y a eu le procès, l'enquête médicale par la congrégation pour les causes des saints, avec des experts de la cause des saints, qui eux-mêmes, en tant que médecins, ne pouvaient dire qu'une chose, c'est « ce n'est pas explicable par la médecine ». Ensuite, il y a eu une enquête faite par des théologiens de la congrégation pour les causes des saints, qui eux ont dit « si les médecins disent que ce n'est pas explicable, étant donné que la famille a prié, que les proches ont prié, eh bien nous pouvons reconnaître que la guérison est due à Marie-Eugénie Milleret ». Donc il y a vraiment une interconnexion entre l'aspect médical et l'aspect de foi. Tout à fait, tout à fait. Et ensuite, donc, le pape a reconnu le miracle. Je crois que ce qui est important pour un miracle, c'est d'abord que des gens prient, des hommes, des femmes qui nous ont précédés, qui sont des exemples et qui peuvent nous aider à être davantage croyants. Et je trouve que c'est une belle chose que Marie-Eugénie ait guéri une enfant, une fille. Elle qui, toute sa vie, a plaidé la cause des jeunes filles pour leur éducation, comme le pape disait ce matin, non seulement une éducation scientifique, intellectuelle, mais aussi une éducation morale et spirituelle. Alors justement, est-ce que, à travers un parcours comme celui de Mère Marie-Eugénie, on se rend peut-être compte que finalement les saints ne sont pas que des héros, mais c'est peut-être simplement des héros de la vie quotidienne? Oui, ce ne sont jamais des héros, les saints. La sainteté, c'est l'extraordinaire dans l'ordinaire. Ce qui veut dire que la sainteté, et c'est peut-être un des appels lancés par le pape Jean-Paul II, c'est que la sainteté, c'est d'abord la vie quotidienne. C'est là qu'on a à être témoin, c'est là qu'on a à marcher et à vivre avec le Christ, tenant la main du Christ. Chacun à sa mesure, chacun à sa manière. Le pape Jean-Paul II a béatifié, canonisé des religieux, des religieuses, mais aussi des hommes et des femmes mariés. Et je crois que c'est important
toute forme de vie peut ouvrir à la sainteté, à condition qu'on sache toujours demeurer avec le Christ. Il y a un mot dans l'évangile de Jean qui est un mot qui revient souvent, c'est « demeurer ». Une interview assez exceptionnelle à présent, l'interview de Rissa, cette jeune Philippine âgée de 13 ans, par qui le miracle est arrivé et qui aura permis donc indirectement ce procès en canonisation. Cette jeune Philippine était de passage à Paris quelques jours avant d'aller à Rome. Nous l'avons rencontrée. Quel est son état d'esprit? Quelles sont ses relations avec le christianisme? C'est ce que nous verrons à travers cette interview accordée à François Lespèce et Emmanuel Morlin. How do you feel about Marie Eugénie right now? I feel glad. Elle est très heureuse. Elle est très heureuse. Why? C'est son sentiment vis-à-vis de Marie Eugénie actuellement. Do you know why why do you feel so happy? Because she's going to become a saint this coming June 3rd. Parce que le 3 juin, elle va devenir une sainte. Et qui est-elle par rapport à elle? Et est-ce qu'elle sait le cadeau que lui a fait Sœur Marie-Eugénie? Do you know what Marie-Eugénie did for you? She healed me from a miracle, a wonderful miracle. Elle a fait un miracle pour moi, elle m'a guéri. Qu'est-ce que ça veut dire pour elle? Do you remember what you needed to be healed from? Not really. Elle ne se rappelle pas de quoi elle fallait se guérir. Mais elle n'avait pas la possibilité vraiment de marcher, de se tenir droit. Elle était comme un petit sac de pommes de terre. You were like a little sack of potatoes. Yeah. You couldn't hold yourself up straight. and then you had a terror. You couldn't walk right. Yeah. Et aujourd'hui, elle est proche du bon Dieu. Are you close to God now? Yes, I'm very, very close. Elle est très, très, très proche dans sa relation avec le Seigneur. Qu'est-ce qu'il lui apporte? Do you know what you like in your relationship with our Lord? Whenever I pray, like if I want it to rain, and they say, please make it the cool weather, he grants my prayers. Il répond à ses demandes. Et si elle veut quelque chose, elle lui demande et il le fait pour elle. Et qu'est-ce qu'elle aimerait dans sa relation à Jésus pour plus tard? Qu'est-ce qu'elle voudrait? À quoi elle pense pour l'avenir? What are you thinking about for the future? What would you know what you'd like to do? I would like to be a painter of nature. Oh. Elle aimerait être peintre. Elle aimerait faire les tableaux de la nature. Elle est proche de la nature, ça a un sens pour elle, la création. Mm-hmm. You like nature? Yes. What, like flowers or trees or? Experimenting anything. Elle aime expérimenter. Mm-hmm. Tu la voyais aux États-Unis, elle venait pour les examens médicaux et des histoires comme ça. On voyageait en avion de temps en temps ensemble et puis c'était, elle était drôle comme enfant. Drôle, drôle, drôle. I'm saying you were funny when you were little. Parce qu'elle avait un sens social très, très, très fort. Ainsi, elle parlait avec n'importe qui. Elle approchait un monsieur qui était en train de lire son journal et elle restait là, regardait. Et puis, elle restait jusqu'à ce qu'il la regarde. Et puis, il la regardait et elle faisait un sourire comme ça. Mais elle faisait ça. Et puis, il y avait une fois dans un restaurant. Do you remember this story? Et une fois dans un restaurant, il y avait une serveuse qui était très nerveuse. Et elle demandait pardon. Elle dit, mais je suis toute seule. Elle avait 5 ans, je crois, à la fin du repas. Elle a dit, vous étiez toute seule, mais vous avez très bien fait. Ainsi, elle avait des réactions d'adulte, socialement. Tu vas me manquer, disait un chauffeur. On se rend compte que c'est une petite fille qui est tout à fait normale, qui est comme les autres aussi, qui a envie, qui a des désirs pour plus tard, avec comme toutes les autres. Avec beaucoup de délicatesse et de sensibilité, oui. Juste après que le docteur nous ait dit qu'elle n'avait plus aucun espoir, qu'elle allait mourir jeune, que son cerveau n'était plus en état, et bien d'autres choses, nous avons tout de suite prié Marie-Eugénie.
et nous sommes redevables face à Dieu pour nous avoir donné Risa. Et elle a été une joie pour toute la famille jusqu'à maintenant. Je pense que c'est une responsabilité. Nous avons compris que Dieu nous a donné Risa pour une raison. Quelle est cette raison? C'est justement ce que nous devons comprendre. C'est une fille totalement normale, mais il y a quelque chose en elle qui surprend tout le monde parce qu'elle a une certaine spiritualité. Quand nous prions ensemble, elle dit qu'elle prie pour les pauvres, ceux qui n'ont rien à manger. Et je lui réponds toujours, Dieu t'a tellement donné que tu dois forcément donner quelque chose en retour. Elle est consciente, car elle dit toujours qu'elle remercie le Seigneur d'être malade et que du coup, elle doit agir pour les autres. Elle prie pour tous les enfants malades et toutes les personnes qui lui demandent de prier pour elle. Elle prie vraiment tous les soirs pour tous ces gens-là. Elle est consciente du cadeau que Dieu lui a fait. Et elle se sent redevable par rapport à ça. En tout cas, c'est comme cela que nous le vivons. Ma sœur, est-ce que vous pouvez d'abord nous parler de la fondatrice de cette communauté? Pour vous, elle représente quoi exactement? Pour moi, elle représente une femme formidable qui a eu l'audace de faire ce qu'elle voulait faire jusqu'au bout. Et je pense que ça, c'est important. Quand on sent quelque chose, d'aller jusqu'au bout de ce qu'on sent. Et qu'on se renseigne un peu et qu'on voit que c'est bon, bien sûr. Alors, quelle était sa philosophie, justement? Bon, pour elle, elle avait une philosophie, elle avait aussi une passion. Parce qu'elle disait qu'une philosophie toute seule, ça ne peut pas servir à rien si elle n'est pas accompagnée d'une passion qui fait la mettre en pratique. Et pour elle, sa philosophie était basée surtout, elle avait découvert sa foi en Dieu. Et elle disait, Dieu est si grand qu'il mérite tout. Et il faut donner la gloire au droit de Dieu. Alors sa philosophie était très positive, disons un peu assez libérale. Elle disait, nous avons beaucoup reçu de Dieu et il faut mettre en pratique ce qu'il nous a donné. Et elle se basait beaucoup aussi sur les valeurs humaines. Elle disait, bon voilà, nous en avons des valeurs, il faut aller jusqu'au bout. Et en parlant de sa foi, elle disait, c'est une folie de ne pas être ce que l'on est avec le plus de plénitude possible. Elle avait une philosophie de développement, de transformation, toujours vers le bien. Oui, avec un mot et une obsession, je dirais, c'est éduquer, hein. Alors, éduquer, elle disait que c'est ça qui peut changer une société. Et éduquer, ça veut dire quoi ? Regarder la personne que tu as en face, voir quelles sont les sémences qu'elle a et les faire grandir pour le bien. Alors aujourd'hui, elle a donné naissance à cette formidable communauté. Vous pouvez nous en parler un peu, qui rayonne à travers le monde avec des ramifications un peu partout ? Oui, je crois que cette liberté qu'elle veut nous a fait un peu audacieuse parce que nous ne sommes pas des masses. Hein. Nous sommes à peu près 1200 sœurs, mais vous avez vu dans la carte que nous sommes très répandus dans le monde. Et pourtant, des communautés, un minimum de 5 ou 6 sœurs, parce que nous avons une vie contemplative en même temps assez intense et qui est très difficile à vivre si on est simplement 3 ou même 4 en communauté. Alors, elle voulait que
voilà, cette terre qui est la terre de la gloire de Dieu, puisse recevoir ces valeurs évangéliques. Et c'est pour ça qu'elle a voulu une congrégation très répandue dans le monde. Et c'est une congrégation donc, qui a résisté au temps et à la sécularisation ? Bon, elle a résisté. Les sœurs ont dû partir de France, puisqu'on les a chassées. Et elles ont parti en Espagne et en Belgique, surtout. Mais il y a eu toujours un petit noyau avec des amis. Parce qu'elle a été toujours entourée de beaucoup d'amis. Et elle disait que les laïcs et les religieuses, nous sommes complémentaires. Et que ce n'est pas deux vocations qui doivent s'exclure l'une à l'autre, mais au contraire, se compléter. Et ce sont justement des dames qui ont sauvé un peu notre patrimoine ici à Paris et un peu en France. Et malgré tout, ben, on a résisté. Et surtout à ce moment où on était avec les grandes avis de l'époque, on ne s'est pas sécularisé, on est resté ce qu'on était. Alors, un patrimoine, on le voit immobilier impressionnant, hein, et un patrimoine humain aussi colossal aujourd'hui. Hein. C'est là-dessus que vous mettez l'accent. Oui, surtout dans le sens de, vous voyez, on parlait avant des élèves, les parents, les enfants, c'est-à-dire une personne qui a passé par une de nos écoles, elle en témoigne toujours qu'elle garde quelque chose de vital en elle et on les voit revenir avec les enfants, les petits-enfants et ça fait tout de suite une grande famille. On se souvient de son passage chez les Assomptionnistes. C'est ce que les gens disent, c'est que moi-même je peux dire, parce que moi-même j'ai été élève à l'Assomption. Alors vous justement, comment êtes-vous rentrée à titre personnel dans les ordres et pourquoi justement ? Pour suivre un peu cette sœur fondatrice ou pas dans son inspiration ? Oui, c'est-à-dire j'étais partie d'abord comme missionnaire laïque avec les sœurs en Amérique latine. J'ai été 2 ans au Guatemala. Et en revenant et en faisant des conférences à ce moment-là, parce que ça commençait les laïcs, les missionnaires laïcs, je vous parle des années 60, du siècle dernier. Hein. Et alors, un jour, quelqu'un m'a dit, et toi, qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Je dis, tiens, ça c'est une bonne question. Alors, je me suis mis un peu à réfléchir et j'ai senti que je devais me donner un peu comme Marie-Eugénie dit, au Christ, à celui qui m'appelait, et que ce n'était pas simplement de faire, mais d'être pour lui. Et c'est pour ça que je suis décidée à rentrer. Je n'étais pas toute jeune. Pour ce moment-là, j'avais 24 ans. À ce moment-là, les jeunes filles rentraient plutôt vers 17 ans, 18 ans, mais quand même, voilà, je suis là. Alors, quelles sont vos grandes joies ? Est-ce que vous pouvez nous en parler, justement, d'évoluer dans cet univers-là, si spécifique, en tout cas vu de l'extérieur ? Une grande joie, c'est de... Bon, la première, c'est d'aimer chaque jour un peu plus Jésus-Christ. Parce que je pense que l'aventure de la vie religieuse, c'est une aventure d'amour. Si on n'aime pas Dieu, on n'aime pas ses frères, ça tient pas. Ça tient pas. Alors, une des grandes joies, c'est quand j'ai su que j'allais en Afrique. Et là, vraiment, j'ai vécu 38 ans heureuse, avec beaucoup d'amitié, beaucoup de gens. J'ai beaucoup, beaucoup appris. Je peux dire que pour moi, ça a été vraiment une école d'humanité, une école de relations et une ouverture grande dans le monde. Et pour moi, ça, c'est une grande joie. Et c'était une grande peine de quitter l'Afrique pour venir ici ? Vous savez... Je suis religieuse avant d'être missionnaire ou une autre chose. Et quand on m'a dit, Pilar, tu vois, tu irais à Paris, au début j'ai dit, ouais, quelle horreur. Et après je me suis dit, bon, mais où l'on est mieux que là où on te dit qu'on a besoin de toi et qu'on t'appelle. Et j'ai dit, mais oui. On m'a dit, bon, c'est seulement pour 3 ans. J'ai dit, ok. Et donc, pour vous, aujourd'hui, c'est bien sûr un grand événement. Vous n'y attendiez pas à cela, si ? Non, je ne m'y attendais pas, surtout à la canonisation. Imaginez-vous quelle joie de savoir que je suis ici au cœur de notre congrégation pour accueillir ce 3 juin que nous attendions avec joie. Et voilà, et pouvoir vivre ça auprès de Marie-Eugénie. Mais concrètement, ça va changer quoi, cette canonisation ?
ça va rien changer et ça va tout changer. C'est comme quelqu'un, par exemple, disons, je ne sais pas, qui fait un pas dans sa vie, peut-être qui passe d'un lieu à un autre, et on lui dit, mais tu vas changer quoi dans ta vie? Il dit, bon, mais peut-être rien, mais sans doute tout, parce que ça change dès l'intérieur. C'est une joie, et ce que nous vivons, c'est nous, avec ce que nous portons, qui lui donnons la couleur que nous voulons. Alors pour moi, je crois que ça va beaucoup changer. Elle va être plus connue et peut-être on va rayonner, elle va rayonner un peu plus avec les valeurs qu'elle a, que je crois que pour la société d'aujourd'hui sont importantes. Oui. Une forme de reconnaissance en quelque sorte pour vous qui est importante. Oui. Je pense que ça c'est très important parce que il y a beaucoup de gens qui pensent que ça va pas, tout est triste, tout est négatif. Or elle, c'était une femme terriblement positive. Elle disait j'ai de la peine. Quand j'entends dire que cette terre c'est une vallée des larmes, pour moi c'est le lieu de la gloire de Dieu. Et je trouve que ça, c'est très vrai. Si chacun de nous, nous pensions ça le matin, eh bien, on serait beaucoup plus gai. Et je le dis à tous ceux qui sont par ici, parce qu'une des premières choses qui m'a frappée en arrivant en Afrique, c'est la joie, le sourire des gens qui ont très peu ou rien, mais qui sont heureux. Et quand on arrive ici, les gens ont beaucoup, mais ils sont tristes. Je ne sais pas pourquoi, mais ils ont l'air tristes au moins. Alors je leur dis, allez-y, chaque matin, soyez heureux et pensez que la journée va être une journée de gloire pour Dieu et du coup pour vous et pour ceux qui vous entourent. La sœur Marie-Eugénie disait qu'on était le reflet de ce qu'on recevait finalement, donc c'est important. Oui, c'est vrai que c'est important. Mais vous voyez, je suis ici, je vais passer quelques années. Je pense que j'aimerais bien être le reflet de la joie que je reçois. Même des gens, quand je croise dans le métro ou dans la rue, je me dis, mais tiens, ils vont quelque part. Bon, dans mon cœur, je les souhaite bonne journée et que tout se passe bien. Et je pense que ça, c'est important, regarder l'autre avec joie. Ne pas avoir peur de perdre. On n'a rien à perdre, on a tout à gagner. Alors, sœur Christina Maria, vous étiez à Paris au moment où ça s'est passé. Est-ce que vous pourriez nous raconter pourquoi cette maman a souhaité allonger sa petite sur la tombe de Mère Marie-Eugénie et comment ça s'est passé? Voilà, donc la famille et la maman avec la fille sont passées par Paris. Je crois que c'était au retour des États-Unis. Et bien sûr, nous sommes allés prier auprès de Marie-Eugénie pour la guérison de Risa. Je ne sais pas si c'est la maman, je ne me souviens pas bien vraiment, si c'est la maman qui l'a demandé ou ça a été un geste spontané d'allonger la fille sur l'autel de Marie-Eugénie. Et quand je l'ai fait, quand je reviens sur cet acte, qui a été après, on a pris une photo, et cette photo a été très importante. Et donc, je me suis dit, je crois que je lui disais à Marie-Eugénie, je te la confie. Tu feras ce que tu peux faire pour elle. Et je ne sais pas si j'ai demandé la guérison, je ne me souviens pas, mais je sais que je l'ai remis entre les mains de Marie-Eugénie. Et je le garde comme... Comme un geste qui était venu, pas de moi, mais était venu de Dieu. Et depuis lors, je sais que j'ai présenté beaucoup d'enfants à Marie-Eugénie dans ce même esprit. C'est un acte de foi quand même qui est extraordinaire de se dire on va poser cette petite sur la tombe, d'abord un symbole très fort. Comment vous l'avez vécu ce moment? Je l'ai vécu... Je peux dire que ce n'était pas un acte isolé, puisque depuis novembre 1996, quand on est allé pour demander de reprendre le dossier de Marie-Eugénie vers la canonisation, je sais que comme supérieur général, j'ai posé aussi un acte de foi. Un acte de foi parce que bon, c'est recommencer un chemin et croire que Marie-Eugénie, je savais qu'il fallait un miracle, et croire que Marie-Eugénie pouvait encore
et peut encore hein, être une intercesseur auprès de Dieu. Et que Marie-Eugénie voulait, certainement voulait, continuer à être proche de nous, et proche des familles, et proche des personnes. Et je crois, je me suis dit, bon voilà, c'est un acte de foi que j'ai posé. Et ce jour-ci, je me suis dit, vraiment un acte humble et pauvre de foi et peut produire quelque chose de très grand hein, dans l'Église. Vous avez été touchée vraiment très particulièrement? Oui, j'étais très touchée. Et, d'abord parce que l'événement préparé avec beaucoup d'amour, certainement, et me disait qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire. Et c'est aussi à travers les échanges avec les sœurs ou avec même des journalistes, m'ont fait encore réfléchir beaucoup plus sur une idée que je garde. Et la sainteté, ce n'est pas un état. Et la sainteté, c'est un chemin. Marie-Eugénie a fait son chemin. Maintenant, c'est à nous de faire le nôtre. Et tout homme, toute femme, en posant des gestes, des tout petits gestes d'amour, de bonté, des gestes évangéliques, la sainteté n'est pas loin des personnes. La sainteté est à la portée de tous. Alors justement, quel est le lien aujourd'hui entre Risa et Marie-Eugénie? Est-ce que c'est un lien fort qui les unit? Et en tout cas, je peux dire, je suis sûre que Marie-Eugénie doit aimer beaucoup Risa. Hein, et Risa aime beaucoup Marie-Eugénie. Hein, et elle, cette petite, elle aime dire, je suis le miracle de Marie-Eugénie. Et si je vis, c'est grâce à Marie-Eugénie. Donc elle doit avoir dans son esprit un peu d'enfant, et elle doit avoir une amitié très grande. Je me souviens qu'un jour sa maman m'a raconté qu'elle venait de la messe avec la petite et lui a dit « Risa, tu sais, il faut toujours prier beaucoup Marie-Eugénie ». Et la fille a répondu « Maman, mais qu'est-ce que tu crois? Je suis toujours avec Marie-Eugénie et Marie-Eugénie est toujours avec moi ». Bon, c'était une relation, je ne sais pas d'où est sortie ces paroles de la fille, mais c'est comme une espèce d'alliance oui, entre Marie-Eugénie et elle. Elle doit le vivre. Un jour aussi, le jour qu'on a fini le procès du miracle aux Philippines, je lui dis, Risa, tu sais ce qui est en train de se passer? Elle m'a dit, je ne sais pas très bien, mais je crois que c'est quelque chose de très grand pour moi et pour Marie-Eugénie. Marie-Eugénie Milleret, le Christ, présent au plus profond de son cœur, travaille en elle, lui laissant le temps de marcher à son rythme, de poursuivre sa quête intérieure qui la conduirait jusqu'à se donner totalement au Seigneur dans la vie religieuse, en réponse aux appels de son temps. Le message de Marie-Eugénie n'est pas seulement pour la France, c'est un message universel, c'est-à-dire que c'est l'expérience de la découverte du Christ et de la foi à travers l'histoire d'une jeune fille qui a vécu au XIXe siècle dans des conditions qui sont assez proches de celles que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire sans grande culture religieuse et dans une famille séparée. Elle nous dit quelque chose de très particulier également pour la famille qui aujourd'hui est très mise à mal. Elle nous dit surtout l'importance de l'éducation des jeunes et de leur croissance dans la liberté, ce qui suppose évidemment d'avoir des structures qui les environnent, qui soient des structures stables. Le plus important du message de Marie-Eugénie que peuvent retenir les jeunes, c'est qu'il n'y a pas de destin conditionné par la naissance, l'éducation ou tout autre conditionnement, mais qu'on est toujours, il est toujours possible d'être appelé à un choix libre et de faire un choix libre. Également un message pour tous les éducateurs et aussi pour les parents. Qu'ils soient patient, endurant et qu'il n'hésite jamais à recommencer. Personne ne peut découvrir pour les autres. Donc
les éducateurs, les parents peuvent mettre en œuvre des conditions favorables, ils peuvent accompagner, ils peuvent soutenir, mais ils ne peuvent pas faire les choix à la place de quelqu'un d'autre. Sœur Thérèse, merci beaucoup de nous recevoir. Tout d'abord, quel est votre état d'esprit ? C'est un aboutissement, c'est un très grand événement. Quand vous dites aboutissement, c'est aboutissement de quoi exactement ? Aboutissement de la reconnaissance par l'Église du chemin de sainteté de notre fondatrice, donc Mère Marie-Eugénie de Jésus. Les sœurs qui ont vécu avec elle il y a plus d'un siècle étaient persuadées de sa sainteté, mais d'une sainteté qui n'était pas donnée du premier coup. C'est-à-dire qu'elle avait, comme chacun de nous, ses défauts, ses limites, mais son chemin spirituel est tel, et son œuvre était d'une telle envergure, que ça dépassait un peu tout ce qu'on pouvait imaginer, si ce n'est qu'avec la grâce de Dieu. D'ailleurs, elle le disait elle-même. Alors parlons de son chemin spirituel. Qu'est-ce qu'il y avait d'étonnant dedans ? Alors, ce qu'il y a d'étonnant dans son chemin spirituel, c'est l'œuvre de la grâce et sa correspondance à la grâce. Elle disait toujours qu'elle était née d'une famille incrédule, je crois qu'il faut dire surtout peu croyante. À sa première communion, elle a eu une très grande grâce, l'impression que, elle dit, par celui qu'elle venait de recevoir, elle était capable de rendre à Dieu un hommage dont elle était incapable par elle-même, c'est-à-dire le sentiment de la grandeur de Dieu et de son extrême petitesse. Et puis cette intuition un peu extraordinaire, « Un jour tu perdras ta mère et je serai pour toi plus qu'une mère ». Après la révolution de 1830, ruine de son père, le foyer de ses parents, qui n'allait pas déjà très bien, s'est séparé à une date qu'on ne peut pas dire exactement. Elle est partie seule à Paris avec sa mère, et sa mère est morte très rapidement par l'épidémie de choléra en 1832. Donc Marie-Eugénie avait 15 ans, elle est restée seule. Dans son enfance, elle avait déjà vu mourir, quand elle avait 5 ans, un frère de 9 ans et une petite sœur de 11 mois. Puis la mort de sa mère lui font se poser des questions sur le sens de la vie. Est-ce qu'au-delà du tombeau, il restera quelque chose de nous-mêmes ? Quel est le sens de l'existence, etc. Dans cette situation, la grâce l'attendait. Elle a 19 ans, il fallait suivre un carême. Elle choisit celui du jeune abbé Lacordaire, dont c'était la deuxième année des conférences à Notre-Dame. Et elle lui écrira plus tard, « Votre parole répondait à toutes mes questions. Elle me donnait une foi nouvelle que rien ne devait faire vaciller. » Donc, elle va trouver le père Lacordaire à la suite de ses conférences et il lui dit prudemment « Priez et attendez ». Mais il voit très bien que cette jeune fille possède en elle une culture très vaste qui n'est pas éclairée par la foi. Donc, il va lui donner des lectures tout à fait différentes de celles qu'elle avait jusqu'alors. Et elle dit, elle lui écrira plus tard, qu'elle accomplit à ce moment-là une rénovation intellectuelle. Pour elle, le grand chemin à ce moment-là, c'est le passage d'une vaste culture sans la foi, sans repère, à une culture éclairée par la foi. Finalement, des circonstances providentielles ont fait qu'elle a été amenée à s'adresser à l'abbé Combalot, qui depuis 15 ans cherchait sa fondatrice depuis un pèlerinage à Sainte-Anne-d'Auray, où elle avait eu l'intuition de la nécessité d'une nouvelle congrégation pour la bourgeoisie libérale sans la foi. Mais elle ne s'était jamais imaginée fondatrice. Oui, il fallait créer ce projet ex nihilo. Oui, tout à fait. Marie-Eugénie a puisé aux sources de l'Église, mais quand elle s'est retrouvée au soir du 30 avril 1839 avec une seule autre jeune fille dans un petit appartement de la rue Férou, rue très tranquille, près de l'église Saint-Sulpice, elle se demandait qu'est-ce que ça allait devenir. Et ensuite, comment ça s'est propagé à travers le monde ? Et ensuite, on a eu une élève, une. Puis après deux, puis trois, puis dix. La congrégation augmentant petit à petit. Il y a plusieurs jeunes filles qui sont venues, mais qui ne sont pas restées parce qu'elles étaient effrayées par la pauvreté des commencements et par l'incertitude. Et puis petit à petit, Marie-Eugénie dira plus tard, Dieu a tout donné. Il a donné les sœurs, il a donné les maisons, il a donné les chapelles, il a donné les élèves. Et en 1849, à peine 10 ans après la fondation, il y a eu un départ qui était une folie apostolique pour l'Afrique du Sud, ce qui montrait déjà le zèle missionnaire de la congrégation. Alors, quelle est la ligne directrice, justement ? Alors, la ligne directrice au point de vue religieux, au point de vue spirituel. Alors, dès le début, nos sœurs ont voulu un style de vie contemplative très forte, c'est-à-dire l'enracinement dans la tradition monastique, c'est-à-dire un style de vie pauvre, un style de vie
communautaire, avec beaucoup, un temps, des rencontres communautaires tout au long de la journée, une prière communautaire et une prière personnelle aussi. Et dans cette base, le but apostolique de la congrégation était l'éducation. Au moment de la béatification de Marie-Eugénie en 1975, Paul VI relevait les deux aspects de notre vie, l'adoration et l'éducation, avec la vie communautaire. Nous avons l'habitude de dire, je crois que c'est vrai, que Marie-Eugénie était en avance sur son temps. Marie-Eugénie voulait à la fois la vie monastique pour nous, mais elle souhaitait une vie proche du monde. Elle était en avance sur son temps pour beaucoup de choses, pour sa pensée éducative, pour l'ouverture qu'elle voyait de l'enseignement à une pensée sociale. Elle parle beaucoup de l'esprit social chrétien, de l'ouverture aux conséquences sociales de l'Évangile. Et on parle même à un moment du mystère social de l'Assomption. Marie, la première femme régénérée, transformée, libérée. L'Assomption, pour nous, ce n'est pas simplement le 15 août. L'Assomption, c'est Marie assumta, prise par Dieu, assumée dans toute sa vie. La femme transformée, la femme, comme dira Claudel plus tard, dans la femme, dans la grâce enfin restituée. C'est loin du mouvement de libération féminine, bien qu'elle ait vu beaucoup cette liberté. Elle a une grande idée de la liberté, qui était une idée du 19e siècle aussi. Mais pas la liberté de faire n'importe quoi, la liberté de correspondre à sa vocation. Marie-Eugénie a quelque chose à dire au monde et à l'Église d'aujourd'hui. Du temps de Marie-Eugénie, nous avons, la congrégation a fait une trentaine de fondations dans 9 pays des 5 continents. Donc elle était déjà fidèle à ce qu'elle entrevoyait, « Le monde est trop petit pour mon amour ». Elle disait ça tout le monde, tout de suite après sa fondation. Ça paraît peut-être prétentieux, mais c'était vrai. Elle dit « Je voudrais donner cette joie, cette lumière à tous ceux qui ne la connaissent pas. Le monde est trop petit pour mon amour. » Et maintenant, la congrégation est dans 35 pays. Nous ne sommes pas très nombreuses. Nous sommes 1200 sœurs. Mais c'est plus que des congrégations moins nombreuses, c'est évident. C'est une vérité de la palisse. Mais je crois que c'est surtout ce qui a fait l'extension de la congrégation, c'est l'audace, je crois. L'audace de Marie-Eugénie, en même temps que son humilité, c'est sa modernité. Quand nous parlons de sa jeunesse à des jeunes ou à des moins jeunes, tout de suite on nous dit « mais ça c'est notre histoire ». C'est une enfance avec beaucoup de questions, c'est des apparences de richesse, c'est des problèmes dans les foyers, c'est des besoins d'affection, c'est une quête de la vérité qu'on ne trouve pas. D'ailleurs, une des paroles de Lacordaire, qui a été à l'origine de la conversion de Marie-Eugénie, dans ses conférences, c'était « Pour prier, qu'est-ce qu'il faut faire ? Pour avoir la foi, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut prier. » Mais est-ce que pour prier, il ne faut pas avoir la foi ? Si, bien sûr. Mais au moins une foi commencée. Et savez-vous ce que la foi commencée ? C'est le doute. Le doute, pas celui qui nie, mais celui qui fait dire « peut-être ». Et combien de personnes disent « peut-être » mon expérience de partage de notre spiritualité me fait dire que toutes les fois qu'on cite cette parole, tout le monde, jeune, moins jeune, chrétien très engagé ou moins engagé, se dit « le commencement de la foi, c'est le doute ». Son chemin spirituel, c'est un chemin de combat avec Dieu. Et aujourd'hui, par rapport à cette société qui est la nôtre, sécularisée, déchristianisée, laïcisée, si elle voyait ça, elle doit le voir de là-haut. Mais elle pourrait se retourner dans sa tombe, non ? Elle doit se dire, l'Assomption a été fondée pour ce milieu. Donc sa parole est plus que jamais d'actualité aujourd'hui. Oui. Dans ses premiers conseils sur l'éducation, qu'elle écrit alors que les sœurs sont 4 et que nous avons une élève, alors qu'elle dit qu'elle n'a aucune expérience en éducation, sauf l'expérience de sa mère, qui voulait lui donner une éducation forte à travers les vertus humaines. Elle disait les vertus naturelles, mais disons les valeurs humaines, c'est-à-dire l'honnêteté, le courage, la droiture, le sens de la vérité, le partage, la générosité, l'ouverture aux autres, et puis une ouverture sociale de son milieu. Elle dit toujours qu'elle voit beaucoup à sa mère, que tout ce qu'elle nous transmet, elle le tient de sa mère et de ce que Dieu lui fait connaître aussi. Donc, à l'heure actuelle, nous puisons dans ses conseils sur l'éducation, où elle dit quels sont les enfants
puisqu'on disait ça à l'époque, quels sont les enfants que je vous souhaiterais, celles qui sont les plus déchristianisées. Parce qu'il y a justement quelque chose à faire. Et que c'est son expérience. L'expérience d'une jeunesse désorientée, parce qu'elle sait beaucoup de choses, mais que son ignorance des dogmes et des enseignements de l'Église, ça c'est sa parole, est incroyable. D'après vous, seule la prière arrive à mettre un terme à cet océan de doutes et de tourments? Ah, que j'aime aussi votre... Mais vous êtes inspirée parce que vous employez des mots de Marie-Eugénie. Au début de sa jeunesse, elle dit « Mes pensées sont une mer agitée ». Et elle dit « Il n'y a que Dieu qui a dit au flot de la mer, vous n'irez pas plus loin ». Bon, donc elle sent qu'il faut la puissance de Dieu, à laquelle elle ne croit pas encore beaucoup, mais à laquelle elle aspire. À 50 ans, au cœur d'une très grave difficulté avec l'autorité ecclésiastique, justement, à propos de nos constitutions, elle dit « Mes mauvais moments ne sont mauvais qu'en raison de l'impressionnabilité que je subis, mais ils sont bons parce qu'ils me tournent vers Dieu. » Et elle écrit « Je pense, je sens que je quitte les ruisseaux et que je vais à la mer, ne serait-ce que du fait de la vie qui s'avance, et ce qu'est cette mer me remplit et m'enivre. » Cette mer qu'est Dieu. Dans un autre texte, elle dit « Nous sommes plongés en Dieu, océan sans fond et sans limite. » Et à la fin de sa vie, on compare son dernier texte de retraite avec le premier, cette mer agitée. Elle est heureuse de se reposer dans cet océan infini de paix, de bien, de beauté qu'est Dieu et qu'elle a découvert. Ça, c'est une phrase qui revient toute sa vie aussi. Oui, la prière peut calmer son émotion. Il y a de très beaux textes sur la prière, des textes impressionnants de doute aussi, de lutte, d'interrogation. Et sa sainteté, il y a sa modernité, bien sûr, sa modernité à travers l'éducation, sa modernité à travers son chemin spirituel. Il se traduit aussi par cette recherche de la prière, ce besoin de spiritualité qui est celui de notre temps aussi. Donc effectivement, nous célébrons la canonisation comme la reconnaissance par l'Église du chemin de sa vie, de son chemin de sainteté, qui est valable pour tous les temps, je crois, parce que c'est celui de beaucoup de saints. Très peu de saints sont nés saints. Ça, c'est la géographie qui les présente comme ça. Mais ils ont fait leur chemin et nous sommes heureux de les retrouver. Et pour nous, c'est notre fondatrice, bien sûr, mais ce n'est pas du tout une idole, c'est Dieu à travers elle. Elle a voulu que la congrégation soit appuyée sur le Christ, et quand elle fait une synthèse de l'esprit de la congrégation, elle dit « À l'Assomption, tout est de Jésus-Christ, tout vient de lui, tout est à Jésus-Christ, tout doit être pour Jésus-Christ. » À l'exemple de Marie, assumée. Il n'y a pas d'autre chose à dire, je crois. Voilà, c'est à présent la fin de cette émission. Vous pouvez vous procurer le DVD ou la cassette VHS. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Un grand merci surtout à cette très belle congrégation représentée par ces religieuses dont le contact et les interviews nous auront beaucoup marqués. À très bientôt pour un nouveau numéro de KTO Magazine. Au revoir.